Nous allons maintenant analyser le mouvement sur un plan incliné. Je me fais un plan. Bouton droit, je peux venir mettre mon plan à, au degré que je veux. 15 degrés dans mon cas ici. Je vais venir placer mon plan. Bonne idée de le fixer dans le fond. On aurait également pu utiliser ici euh, le plan fixe pour ce faire. Je vais venir placer un objet circulaire. Donc, si je vais me permettre. d'avoir un objet donc qui descend sur mon plan incliné. Je peux mettre euh, ou non l'air si je veux. Une des choses intéressantes dans le Godot, on, on peut faire afficher le tracé. Donc par exemple, par défaut, on a sur l'axe des X le temps, Y la vitesse. Je pourrais venir sélectionner la position en Y ou en X de, la de, de mon objet. Donc, je vais garder vitesse en fonction du temps. Et si je laisse tracer, j'aurai à ce moment-là une courbe ici où, en passant avec ma souris, j'ai des données sur la pente, etc. Si je recommence, mais cette fois avec un angle supérieur, par exemple deux fois supérieur ici avec un 30 degrés, je peux venir déplacer mes objets pour avoir... Encore ici, et que je recommence, un deuxième graphique va s'installer, et je pourrais à ce moment-là comparer. Donc, avec un angle de 15, j'avais tel pente, un angle de 30, et pouvoir trouver les relations que j'ai dans un objet qui descend sur un plan.